Comme je le disais, ce monsieur qu'on appelle Idriss Chérif, dans les conditions normales, il devait être aujourd'hui à la maison centrale. C'est eux qui ont programmé, planifié les assassinats du stade de 28 septembre. C'est eux, surtout lui, Moussa Keita, les deux, qui ont organisé l'assassinat des Peuls au stade de 28 septembre. Comme ce sont des gens qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, c'est lui en personne qui avait autorisé certains gendarmes de demander sur l'identité de certaines personnes. Alors, il fait partie des personnes. Et quand vous voyez les Peuls, ils sont tous clairs, clairs, clairs là. Et c'est lui qui n'est pas clair, il a les CV crépus. Il fait partie de ces personnes. Il vit en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, il a fait toute sa vie en Côte d'Ivoire. Lorsque Dadis est arrivé au pouvoir, vous l'avez vu lors d'une interview après le massacre du stade de 28 septembre. Vous l'avez entendu lorsque Dadis a été a fait un show dans, la rue, dans les rues de Conakry. Il était dans sa voiture 4x4 en disant que, que ce sont des trucs, ce sont des choses qui se passe dans le monde, partout, il a cité des... Il dit non, il dit c'est des choses qui passent partout, comme ça. C'est-à-dire, selon lui, quand vous... Parce que France 24, RFI et autres médias, hein, avaient, merci mon beau, avaient signalé, avaient signalé ces propos, parce qu'au niveau des, des médias, il y a l'agence ou il y a le service qui s'occupe des dérives dans les propos de certains intervenants. Il avait signalé ses propos. Il avait même cité la France. Il avait cité l'intervention des Américains dans d'autres pays. Il avait cité l'intervention de la France dans, en Libye et autres. Si j'ai bonne mémoire. Donc, ce monsieur a été, parce qu'il veut rentrer. Il veut rentrer. C'est, des gens à qui on a dit que Mamadi Dumbuya restera jusqu'en 2040. Vous savez? 2040 est dans les cerveaux, comme disait tout dans le gars là. 2040. 2040. Je ne sais pas pourquoi les gens la parlent de 2040. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est sorti le mot 2040. Sinon, quand vous partez, vous regardez l'original. C'est-à-dire, le document, allez-y, le document est là-bas. Mettez-le, merci Rosa, mon amour. Vous partez, vous regardez. C'est qu'il a la chance au temps du professeur Fakonde de fêter le document de Simandou. Vous ne verrez nulle part où c'est mentionné que Simandou se projette pour 2040. Jamais. Jamais vous ne verrez. Montrez-moi le passage dans le document. Comme des gens comme ça, des individus, veulent rentrer. Ils veulent rentrer. Comme ce ces personnes-là, lui, en personne, je vous le jure, s'il y avait un procès à la CPI, il doit répondre devant la CPI. Vous, vous pensez que ce sont les personnes seulement qui tirent, qui sont responsables d'assassinat? Les militaires accomplis, les militaires agissent, réagissent ou agissent en fonction des ordres donnés. Maté une population mater les manifestants. Réagir dans une manifestation. D'abord, vient d'une stratégie planifiée à l'avance. Planifiée à l'avance. On ne peut pas... Demain, il y a manifestation. On dit non à l'improviste. Les armes et les policiers se mettent à mater. Non, non, non. Ça ne se fait, fait pas comme ça. Dans les autres pays... Lorsqu'il y a manifestation et il y a dérive, on, re, on demande quelle est l'unité qui était dans cette, parce que les unités sont réparties en fonction des milieux, en fonction des, des quartiers, en fonction des des, 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 des districts et autres. Donc, s'il y a dérive, s'il y a bavure, s'il y a des blessés et autres, on demande quelle est l'unité qui était à ce niveau-là. Le commandant de cette unité est automatiquement convoqué. Et qu'est-ce qui s'est passé Il doit répondre devant la justice militaire. Ça, c'est universel. Mais ce qui s'est passé au stade de 28 septembre, ce n'était pas Daddy Selmayr. C'était eux. C'est eux qui ont programmé, planifié l'assassinat sur des peuples. Il a bien précisé. C'est les gens qui sont rouges, rouges, comme ça, là. Ils sont jolis quand ils voient. Celui qui n'est pas rouge, là, c'est qu'il a des CV crépus. C'est comme ça, il disait, lui, Idriss Chérif. Comme on, il n'a pas eu sa place aux côtés du professeur Condé. C'est vers même les derniers temps de notre gouvernance qu'on a, on l'a, il a créé un parti, on l'a associé. Il a reçu de l'argent pour aller faire la campagne en forêt. Ce n'est pas un forestier. Ce n'est pas un forestier. Ce n'est pas un forestier. Il... il ses origines sont, c'est acquis quelque part, là-bas, à Sigiri. Mais c'est les gens qui sont nés, grandis, à ce qu'on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Sinon, il est de Sigiri. Il est de Sigiri. Ce type-là. Maintenant, comme il veut rentrer, parce que c'est eux c'est c'est acquis, Dumbuya restera jusqu'en 2040 ou 2000, je ne sais pas. Il restera... En tout cas, il fera deux mandats. Comme il veut rentrer, ce type veut nous provoquer. Je vais vous faire écouter ou bien je vais faire lecture. Je laisse la partie vidéo. Euh, je vais lire ce qu'il a, qu a dit. Les années de conneries. Son second, son jumeau, c'était Moussaketa. Tout le monde a entendu ce Voilà, aujourd'hui, les gens font... Le parallèle entre Moussa Keta et Amara, les deux personnes jouent le même rôle. Le rôle que Moussa Keta a joué autour de Dadis, c'est le même rôle Amara est en train de jouer. Et, oh, voilà, il est de Cancan, ah, -can, merci. Bon, entre Cancan et -can Sigrid là-bas, une fois, là, je me rappelle, il y a une de ses cousines. Vraiment, pour me prouver qu'ils sont parentés, elle m'a envoyé ses photos d'enfance elle m'a envoyé toutes ses photos, il dit, c'est moi, c'est, c'est un cousin à moi. Il est, parce que moi, je, 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 je l'avais accusé en ce temps d'être ivoirien, et venu détruire notre, autre... non, il dit, il n'est pas ivoirien, c'est un cousin à moi. Mais il a grandi, en, il, a, il a, grandi encore. Il dit, ah, bon, il dit, oui, attends, je t'envoie les photos. Il, effectivement, il dit, moi-même, dans les conditions, normales, de je devais être, ma sœur devait être son épouse, normalement. Il dit, c'est -ce tu parles comme ça. Mais il m'a envoyé les photos, j'ai vu, effectivement, c'était ce type, il dit, le voilà. C'est lui. C'est lui. Il a fait tout en Côte d'Ivoire, il a sa famille, il a construit, il a fait tout en Côte d'Ivoire. C'est mon cousin, mais c'est un arnaqueur numéro un. L'argent qu'il a reçu du RPG, l'argent qu'il a reçu pour faire la campagne du troisième mandat, parce que là où il vit, c'est le pays du troisième mandat. Le pays qui est en voie de développement. Alassane est en train de travailler. Baramo, il est en train de faire d'excellents boulots. Ils sont là-bas, hein, au pays du troisième mandat. Au pays du troisième mandat, il a ramassé l'argent ici parce qu'au départ, notre premier mandat, on ne l'a pas associé il a tout fait, il n'a pas eu C'est au deuxième mandat, il n'a pas eu la chance. C'est vers maintenant, 2020, là, 2019, 2020. Il a eu la chance demander de manquer à Dr. Yanné et le staff du RPG. Il a eu de l'argent pour aller faire la campagne. Et puis, il y a eu coup d'état. De Des malheurs. Des gens-là ne sont jamais mis dans un groupe. Les Idriss Cherifa, ne sont jamais mis dans un groupe et qui a réussi. Jamais. Ce type-là, je le répète encore une fois, il n'a qu'une seule place sur cette terre, à la, à la maison centrale. Il a programmé planifié l'assassinat au stade de 28 septembre. Surtout l'assassinat des Peuls. Il avait ciblé les Peuls. Dans ses propos même, il l'a fait clairement. Il n'a qu'une seule place. Hein. C'est à la maison centrale. Si, si c'était à la CPI, il n'allait plus rentrer. Parce que la CPI ne traque pas seulement ceux qui ont tiré. La CPI même la CPI est très, très coriace envers les planificateurs des assassinats, des génocides. Ceux qui planifient là, ceux qui programment, ceux qui achètent, ceux qui achètent les armes, ceux qui programment, ceux qui préparent. Ils sont très, très dangereux par rapport à ça. Euh, Dieu est ma force, mon frère. Je te connais pas, hein, parce que c'est un faux compte. Les gens qui sont, ils sont avec les noms ici sur ma page. Je ne te connais pas hein? mais la prochaine fois que tu vois écrire ce mot là sur ma page je vais te bloquer simplement puis continuer et si tu insistes je te dirai ce que tu dois entendre parce que je ne sais pas qui tu appelles euh, ou les moudous ou quoi je ne sais pas si tu as hey, moi je ne règle pas les comptes de quelqu'un je ne règle pas les comptes pour quelqu'un je ne suis pas un blogueur moi comme tu ne connais pas la différence entre blogueurs activistes, hein, vous ne connaissez pas la différence entre lanceurs d'alerte, activiste, blogueur. blogueurs, parce que c'est les blogueurs qui font clash. Voilà, les blogueurs là, c'est eux qui font clash. C'est les blogueurs qui prennent les dossiers des femmes et autres là, ils se mettent. Sinon, l'activiste là, il cherche les sujets, il, il démasque un lanceur d'alerte, démasque, dénonce, met en avant les choses. Tu as compris? Que ce soit ta dernière fois. Déclares sur ma page. Sinon, je vais te dire tout ce que qu'il doit entendre. Tu as compris, non Imbécile. Vous, vous promenez sur les pages des gens avec des faux comptes. On continue. Donc, je vais... Vous allez.. écouter. je ne suis pas en train de l'accuser. Hein? Voilà. Je ne suis pas en train de l'accuser. Voilà. Regardez. Il dit. Il dit carrément... Que lui pense qu'il qu serait très important d'ajourner, il dit que, voilà, il serait très important d'ajourner la fin de la transition. Plus ou moins d'un an. écoutez d'ajourner. Ajourner. Ajourner. Martine, tu as va-tu ma cousine? Ajourner la fin de la transition. Plus ou moins un an. Pourquoi je suis fâché, je suis remonté. Cet homme, il a menti sur la forêt. Cet homme, il a dit à tout le monde qu'il est forestier les Konyanke. Il a dit à tout le monde, c'est des gens qui ont tapé les ici, ils ont fait courir aux gens qui sont forestiers. C'est des gens qui ont trompé le président Dadis. Ils ont trompé Dadis. Dadis, sent sans les gens là. Dadis sans Idriss Sherif, Dadis sans Moussa Keita, Allah, Dadis allait organiser les élections et partir. Dadis, Moussa Dadis, allait organiser les élections et partir. J'étais là, hein? j'étais en ce temps directeur. J'étais là déjà. Il y avait trop de mouvements. À l'allure au départ, je vous le jure, il allait s'en sortir. Depuis que les gens là sont arrivés au lui, c'était gâté. Les Tchégoro ont tout fait. Les gens ont tout fait. On dit non, il faut d'abord assainir, il faut rendre propre tout, tout, tout. Ils l'ont trompé. Maintenant qu'il veut rentrer aussi en Guinée, parce que c'est son job, il vit dans un pays de troisième mandat. Ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire, moi je le souhaiterais. Hein? Moi là, je le souhaiterais pour mon pays. Que Ouattara crédit tout, tout l'argent du monde s'il construit chez moi là. S'il finit de faire, c'est-à-dire Alassane finit de faire les routes et autres. Alassane finit de faire les pommes et autres. Alassane fait toutes les gînes dans mon pays là. Quand, quand ils vont venir réclamer les crédits, là, ils ne vont pas arracher les ponts là et autres envoyés. Parce que même quand on te crédit là, il y a une méthode de paiement. Il n'est pas dit quand tu crédites, c'est un paiement direct. Non. Mais quand tu demandes des bêtes, des nalomas, on dit non. Il, est, il, il a ramassé les dettes. Il a... Mais il a ramassé, il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Regardez les stades de ce pays-là. Un pays qui a plus de 20 stades. 20 stades internationaux. 20 terrains de football. Un pays qui a plus de 4 ponts. Un pays qui est en train de faire les autoroutes trois fois, trois à l'étoile, un pays, oh non, vous aussi. Même si c'était vous. Moi je souhaiterais qu'on aille crédit, tout, on ramasse tout. On prend crédit par-ci, par-là. Mais si c'est investi. Même quand on détourne, mais si c'est investi. Si c'est investi là, je reconnais ça. Moi je, je. Parce que crédit là, on paye crédit, crédit là, on paye. La Côte d'Ivoire a les moins de rembourser ses crédits, vous le savez très bien. Vous pensez que l'Afrique du Sud n'est pas endettée, vous pensez que le Niger n'est pas endetté? Vous pensez que l'Égypte n'est pas endettée? Même les États-Unis là, les Américains vous pensez qu'ils ne sont pas endettés envers les Nations Unies. Le paiement. Vous vous pensez. Bon, lui, il vit dans le pays du troisième mandat. Et nous allons l'écouter rapidement. Voilà ce qu'on le dit, hein, parce que j'aime ça. Voilà le résumé. On dit l'ancien conseiller spécial du président Moussa Dadis Kamara et ministre de la transition du CNDD. C'est dans la commune de Cocody que le sheriff nous reçoit en ce mois d'octobre 2024. Scrutant l'actualité de la Guinée où il a son parti présent dans l'un eh, de nos politiques. Donnez-moi le nom de son parti. Voilà, donnez-moi le nom de son parti. Le président de l'ICG, Union pour le Changement de la Guinée, évoque avec nous des sujets brûlants de l'actualité guinéenne. Du projet Simandou au cas au de ce qu'il préfère appeler les hommes politiques en prison. Sans oublier... Ceux en exil, à savoir celui-là, et Sidia Touré. Il vit dans le même pays, dans le même quartier que Sidia. Il nous dit tout. Voilà ce qu'il dit. Lui, il dit, c'est... Voilà ce qu'il dit. C'est ça même, M. Derrick. Les gens pensent que les Américains ne sont pas endettés. Les Américains sont endettés jusqu'ici. Ils sont trop endettés même. Bon. Voilà ce que le, euh, le criminel du 28 septembre... L'homme qui devait être au Père, euh, à la maison centrale, écoutez-le, il dit, j'ai toujours dit que la justice, c'est le point culminant d'un État. Il y a eu un procès qui a donné un verdict. Ils se sont appuyés sur certaines données pour donner des condamnations. Je pense que je suis respectueux et obéissant des lois. Il a abandonné la liste. Donc, je pense que la justice a dit ce qu'elle devait dire. Et qui sont interjetés, appel et puis on saura tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Pour le moment, je pense que Dali, ça a un moral fort. Je l'encourage, je lui dis seulement de supporter. Ça fait partie de la vie des hommes. Ça, c'est ce, ce qu'il dit. Et je continue. Il parle du bilan du CNRD. Permettez-moi de lire. C'est ce qu'il a dit en vidéo, mais je préfère lire rapidement. Voilà, rapidement. Au petit matin du 5 septembre 2021, on a tous appris que le régime a changé et que nous sommes désormais dirigés par un groupe de militaires qui ont pris l'initiative de renverser le pouvoir en place. Et cela a été applaudi par des millions de Guinéens. Cela fait maintenant trois ans que nous sommes dans la transition. Mais je n'ai pas un bilan à dresser. Le bilan que je voudrais, c'est de faire en sorte qu'on puisse sortir de cette impasse et que nous rentrions véritablement dans un état purement normal. Moi, je vis actuellement dans un pays normal. Voilà, écoutez, moi, je vis actuellement dans un pays normal où je vois que les choses bougent. Et tous les indices sont au vert. Ça, c'est encore d'ivoire. Je pense que mon pays aussi doit passer à cela afin que nous puissions voir véritablement la vraie lumière. Parce que dans une transition, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'évolution. Il faudra que nous rentrions vite dans un état purement normal, où les droits de l'homme sont respectés, où tout est respecté et que notre pays puisse s'asseoir désormais dans tous les conseils Mais, voilà, mais, je pense aussi que le CNRD est en train d'évoluer. Voilà, écoutez, très bien. Je pense que... Le CNRD est en train d'évoluer à petits pas. Imbécile. Tout ce qu'il pose comme action n'est pas totalement négatif. Les gens ont l'impression que le CNRD ne pose pas des actes. Mais quand vous voyez le Nigeria, il y a une inflation. Vous voyez le Ghana et d'autres pays, il y a de l'inflation. Mais en Guinée, l'inflation est maîtrisée. Écoutez très bien. En Guinée, L'inflation est maîtrisée en Guinée. Le sac de riz est à 300 et quelques mille. Le sac d'oignon est à combien Le bidon d'huile d'arachide. Le monsieur dit que l'inflation est maîtrisée en Guinée. Vous l'avez entendu, eh, que l'inflation est maîtrisée en Guinée. Ouais. Je, je, je continue. Excusez-moi. Voilà. L'inflation est, est, est maîtrisée en Guinée. Voilà. Donc, les gens voient seulement le côté politique, mais ne voient pas le côté économique. Ah bon, l'économie guinéenne se porte très bien. Donc, sur le plan économique, vraiment, je tire le chapeau au CNRD. Et voilà. Et, sur le, il dit que sur le plan économique, le, sur le plan, il tire le chapeau au CNRD sur le plan économique. Ouais, Qui a su faire en sorte que notre économie soit restée stable. Et nous sommes en cinquième position. <rire> Hello. <rire> non, non, non. non. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Non, c'est ça même. Là. Oh, voilà, mon frère, il est trop intelligent. Cours, cours. C'est la technique d'approche. Voilà. C'est une technique d'approche. Écoutez la partie là. « Non, 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 dit, yeah, non. » Et il dit, « Le Guinée est malhonnête. Yeah, »« le Guinée, non. » il dit, « Et nous sommes en cinquième position. » Écoutez, nous sommes en cinquième position en termes de réforme sur la garantie de notre économie après le Sénégal. C'est-à-dire, le premier, c'est le Nigeria. Deuxième, la Côte d'Ivoire. Troisième le Ghana, quatrième le Sénégal, et la Guinée vient en cinquième position. Donc, il faut reconnaître que le Sénégal a fait beaucoup d'avancées dans ce sens, c'est-à-dire sur le plan économique. Eh? Non. Maintenant, il... allons, je continue. Voilà, voilà, il dit, j'ai lu, cet... il dit qu'il a lu l'avant-projet de la nouvelle constitution, que j'ai écouté très bien. Voilà, écoutez très bien. Parce que cet homme-là, je le connais personnellement. Pourquoi je m'insurge contre lui je vais, je, vais, je, vais faire, je vais faire lecture de ce document-là. Parce que vous allez comprendre que le degré de malhonnêteté de cet individu-là, il est nuisible. Cet homme, Benito en Guinée, Eddie Chérif en Guinée, lui et moi, nous allons terminer la justice. Parce que je vais le suivre, le poursuivre. Je vais le dénoncer d'avoir trompé le président d'Alix. D'avoir menti, cet homme. Cet homme seulement, là, Ils sont cinq personnes que moi, Benito, je ne manquerai jamais. Jamais dans ma vie, cet homme-là, personnellement. Et voilà, tellement qu'il n'a pas honte. Et voilà ce qu'il dit. Si tu veux un poste, parce que aujourd'hui tout le monde veut un poste après la transition, après le 30 décembre. Après le 30 décembre, là. Non, on dit que il que Doumbouya va changer de gouvernement. S'il bah a, a la chance de ne pas chuter le 31 décembre, nous avons appris qu'il va changer de Premier ministre. Il va choisir cette fois-ci un malinqué, c'est-à-dire so, euh, nous. Nous avons occupé tous les postes clés, nous avons pris toutes les directions, nous avons pris tous les postes clés dans l'armée, nous avons tous les postes d'ambassadeurs et maintenant nous allons prendre le poste de Premier ministre et puis ça ne sauve pas. Qui va parler Personne. Nous avons les griots derrière nous, c'est-à-dire ceux qui font le tam tam pour nous là, ça c'est les, les, certains faux vauriens de la forêt, et certains vauriens de la moyenne Guinée, et certains déribats de la bascotte. Eux là ils sont là, ils sont en train d'applaudir pour nous. Atala Noma nous Noma Non voilà, c'est ça, vous allez comprendre, et je, je vais terminer s'il vous plaît. Il dit que j'ai lu cet avant projet de la nouvelle constitution que j'ai véritablement apprécié. Je suis allé jusqu'en profondeur. J'ai vu que toutes les étapes de la démocratie se trouvent. S'y trouvent. Écoutez, j'ai vu que toutes les étapes de la démocratie s'y trouvent. Et puis il continue, ça, il continue. Ça m'a ça, ça fait plaisir quand même parce que je me suis dit que les gens ont su travailler dans l'ombre pour sortir quelque chose d'extraordinaire. Avec les deux chambres du Parlement. C'est-à-dire, il y aura deux chambres du Parlement. C'est-à-dire, il y aura l'Assemblée nationale, il y aura le Sénat. Excusez-moi. Lui, lui, il dit trouve ça normal. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les dépenses, quoi. Le Sénat sert quoi dans ce pays? Le Sénat. Ça sert quoi? Je continue. Aujourd'hui, c'est intéressant pour tout le monde. Et il faut essayer de voir ce que nous pouvons faire véritablement pour faire évoluer ces pays-là. Donc, c'est déjà important pour moi. Je tire le chapeau aux initiateurs et au CNT. Surtout à son président, dans sa ouais. C'est ça, le gars dans cette poste. C'est vrai, dans une constitution, on ne peut être d'accord sur tous les points. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas le dire ici. Ah, pourquoi tu ne dis pas Toi, tu, Tantôt, tu es d'accord avec l'Assemblée nationale, le Sénat, mais tu, ne dis, tu, 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 dit, tu refuses de nous dire, tu refuses de nous dire ici ce que tu n'aimes pas dans cette constitution, ce qui est faux. Je pense que ça va faire l'objet d'un débat lorsque le test sera soumis à un vote référendaire. En ce moment... On fera des remarques et on exposera notre point de vue. Ça ne sera pas pour moi, mais ce sera, en, en, sera entre mon parti et l'alliance politique à laquelle on fait partie. Et on va voir si on peut faire des amendements. En tout cas, cet avant-projet de la nouvelle constitution a été très bien mûri, très bien réfléchi, et ça a été bien édité et bien édifié. Maintenant, le glissement, le, voilà, le glissement du calendrier. Comme je l'ai toujours dit, la chose la plus importante dans la vie, c'est la paix. Tout ce qui peut créer de la brouille dans un état, il faut éviter. Il faut éviter de s'embrouiller. Il faut éviter de faire en sorte que nous soyons... Nous un état un peu bancal dans lequel il y a des crises, des mouvements et un peu partout. Nous avons décidé qu'il fallait trois ans de transition. Qui l'a décidé Nous avons décidé qu'il fallait trois ans de transition. Mais si nous n'avons pas fini de mettre tout ce qu'on s'est dit dans la tranchant et, et, et que tout n'a pas été appliqué, je pense qu'il serait très important d'ajourner plus ou moins d'un an sur la tranchant. Je ne suis pas du tout contre un éventuel glissement du calendrier. Oh là là Comment je comme je l'ai dit l'autre fois pour moi ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est es, pas un problème. Tu es encore tu Côte tu ne tu ne vis pas la souffrance des Guinéens. On peut s'asseoir, discuter et puis définir une nouvelle date pour un an, deux ans. Ah ouais, 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 un an, deux ans. Ouais. on peut s'asseoir, discuter, puis définir une nouvelle date. Un an, deux ans. Une autre manière de voir la transition. Eh Allah Eh Dieu C'est-à-dire, faire un gouvernement d'union nationale, faire en sorte qu'on puisse tous se retrouver pour que la confiance puisse renaître entre les Guinéens. C'est le côté le plus important. Voilà. On, bon, on lui pose la question de savoir. Depuis quelques jours, un acte interdit au, bon, au ministre de voyager. Ma priorité d'abord n'est pas d'appartenir à un gouvernement de transition. Je suis leader d'un parti politique. Je ne suis pas à la recherche d'un poste. Ce qui est faux, j'ai un parti qui me permet de me présenter à des élections. Ma priorité est de savoir où nous allons dans cette transition. Si c'est pour aller, appeler tout le monde à venir, nous avons des cadres qui peuvent rendre... Rentrer dans le gouvernement. Ah, voilà. Mais moi, en tant que leader politique, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vais, vais m'arrêter ici. Parce que c'est voilà, long. Je vais m'arrêter ici. Bon. Je vais terminer, si vous plaît. On dit, vous avez, vous avez dit que le tableau économique est reluisant. Aujourd'hui, les autorités de Conakry misent sur le projet Simando. Voilà, vous qui êtes alors, vous qui avez été aux affaires proches collaborateurs du père Pensez-vous ainsi bon pour tout Simon, je me suis impliqué dans, le, dans ce dossier depuis 2001. On parle de Simandou. Euh. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il s'est impliqué dans Simon de depuis 2001. Parce que les gens nous ont dit que Simandou, c'est Mamadi Doumbouya. Simandou là, c'est Mamadi Doumbouya qui l'a fait. Simandou, c'est Mamadou Doumbia. Tout est, tout est. Quand tu dis Simandou, on dit que c'est le CNRD. Mais en réalité, moi, j'étais à l'université J'étais en troisième année, pas quatrième année. J'ai commencé à. En, J'ai entendu parler de Simandou. Simandou, depuis, j'étais en deuxième année ou troisième année. Quatrième année. Donc, je continue. Nous allons lire ça. Il dit, Je me suis impliqué dans ce dossier depuis 2001. Depuis le régime du président Conté. Donc, il. Il y avait un problème de signature du dossier. On devait signer des accords avec Rio Tinto, mais il y avait un blocage auprès du président de la République ou le ministre d'alors. Et au niveau des grands projets, il y avait des problèmes. Papa Keira, qui était le patron du projet de NIMBA, Fer, qui a piloté ce dossier, est venu me voir et m'expliquer. J'ai pris le dossier pour aller voir le président Conté. J'ai dit au président que Sekou a donné l'indépendance à la Guinée. Demain, on dira que c'est. Euh, on dira que c'est. Euh, voilà. Que c'est vous qui êtes. Euh, c'est vous qui avez donné. Comment on appelle Non. Voilà. On dira qu'est-ce que vous faites. Vous faites. Vous, vous faites pour la Guinée. Demain, on dira. Donc, s'il y a des projets, ce qui n'est pas bon, il faut enlever, puis signer avec eux parce que ce sont des acteurs mondialement connus dans le domaine du fer. Il est à noter que vous devez rentrer dans l'histoire en signant ces documents. Parce que qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays Oui, l'ancien account avait signé le projet Simando. Ce sont des gens qui sont mondialement connus dans le domaine du fer, mais on ne peut les diaboliser devant vous et puis on va accepter. Il a, il a, dit, c'est vrai. Donc, il a appelé le ministre Ibrahim Souma et il a appelé Eric Kohl. Il dit, écoutez, voilà le dossier. Allez-y, allez ce allez qui n'est pas bon dedans. Vous corrigez ce qui est bon pour la Guinée. Puis, c'est les propos de l'instant raconté. Hein. Je suis en train de m'efforcer à lire. C'est les propos de l'instant. Et puis, vous le signez. Voilà comment le dossier Simando a été signé. Pour moi, je pense qu'on a des mines. On ne peut pas s'asseoir pour dire qu'on n'exploite pas. Il faut exploiter normalement et convenablement et que l'exploitation doit rentrer dans le développement du pays et non dans les poches de quelqu'un. Ah! Ah! L'exploitation doit rentrer dans le développement de la Guinée, pas dans les poches de quelqu'un. Ah! Et nous, on t'informe que la rentre dans les poches de la famille de Mamadi, pas même le gouvernement. Je suis rassuré, je pense, voilà, je suis rassuré. Je pense qu'on a même pris du retard. Je pense avoir des archives. Tout ce qui a été dit était déjà dans le cahier de charge depuis longtemps. Faire le chemin de fer, une usine, il y a tout ça. Il faut appliquer. Le CNRD est venu trouver que ce projet était déjà là. Le CNRD est venu trouver que ce projet était déjà là. C'était déjà consigné. Un travail était préalablement fait depuis longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on est véritablement en retard sur le cas de Simandou. Il faudrait que les gens mettent en application ce qui a été dit. Vous avez dit que le président Conte a commencé Simandou. Il est parti. Le président facondé est venu, il est parti aussi. Le président Mamadi est là pour le moment. Avant lui, dadi c'est venu. Il n'a même pas parlé de ce projet Simandou parce qu'il avait des problèmes. C'est un, voilà, un projet qui était entassé de plusieurs projets avec le BCR, le BCR, le, BSG, le, BSG, le BSGR et aussi je tire le chapeau pour le CNRD et surtout au gouvernement du président Mamadi qui ont pu faire en sorte que ce projet voie le jour. On dirait qu'au temps d'Alpha Condé, le projet n'avait pas vu le jour. Voilà. Bon, on demande de donner conseil à Mamadi. Lorsque, lorsque, lors, lors de la prise du pouvoir, il a pris beaucoup d'engagements. Aujourd'hui, les, les choses ont certainement évolué, mais les engagements resteront toujours. C'est au président Mamadi consciencieusement, qu'il doit comprendre qu'il a besoin de laisser un pays en paix et faire en sorte que nous restons dans la démocratie. Il doit rassurer les Guinéens qu'ils peuvent s'exprimer comme ils veulent et que la presse, vous voyez ici à Abidjan, il y a une florison de la presse, mais le président Ouattara n'en fait pas cas. Donc, il faut laisser les critiques. Ce sont les critiques qui font qu'on se forge pour devenir quelque chose. Que nous, que nous ayons une presse purement indépendante. Cela fait partie de la démocratie et ça fait partie de la grandeur des hommes. Voilà. Si on lui dit de fermer la presse, qu'il refuse, voilà. Et entre parenthèses, on sait très bien que ce sont les gens qui leur dit de fermer les médias. C'est vraiment important pour lui qu'il ait beaucoup plus de critiques, beaucoup plus d'ennemis pour lui permettre de rester. Sinon, le président va être rendre le tablier et partir. Il y a 100, il y a, il y a 100 médias, 70 l'attaquent. Donc, je lui conseille vêtement de libérer la presse et puis de penser un peu sur le cas des hommes politiques qui sont en prison. Même à FCL, même à, même si on les reproche des problèmes économiques, mais ils ont été des grands commis de l'État. Ça fait mal de voir le premier Cassori et sa suite en prison et d'autres personnes. Je demanderai qu'il dise de sa magnanimité, de son honneur de libérer ses prisonniers. Voilà. Donc, euh, voilà ce qu'il dit. Et pour terminer, je voudrais demander encore une fois. Voilà. Donc, voilà, 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 le cas de Selou. Voilà. Le cas de Selou. Voilà. Le cas de Célo, Voilà. Il dit ici, des hommes politiques sont dehors. Ils ne sont pas en Guinée parce qu'ils craignent pour leur vie et d'autres sont, d'autres ont peur de la prison. Il faut faire en sorte que le président Selou puisse rentrer. C'est une histoire qui date de plusieurs années. Le problème de Air Guinée. Je pense qu'il y a eu des gestions qui sont plus que ça, mais on a fermé les yeux dessus. Qu'ils soient encore plus grands pour les permettre de rentrer et les rassurer. C'est vrai, il n'y a jamais poursuivi le président Selou. Lui-même s'est mis en exil. Ce est qui est faux, voilà, ce n'est est pas Selou qui s'est mis en exil. Parce qu'on qu l'a convoqué, il n'est pas venu. Mais je pense qu'il y a une personne qui lui a dédouané le président Mamadou Sila. S'il ouais, a dit, Maurice avait dit que c'est pas assez lourd. Donc, à sa place, je serai euh, rentré. Le président Doumbouya doit, euh, doit même rassurer toutes ces personnes pour dire qu'il euh, qu est venu pour rassurer tout le monde. Il sera encore plus grand. Et pour terminer, voilà ce, qu dit, ce qui est très, très grave. Et j'insiste, la transition doit être prolongée pour un ou deux ans afin que tout soit fini, rétabli avant les élections. On lui demande, est-ce que c'est d'accord que Maurice se présente lui, il dit carrément qu'il ne voit pas de problème par rapport à la canotte de Madi. Vous avez entendu ça Il dit que lui ne voit pas, il ne, il ne voit pas un problème par rapport hein, à la candidate de Madi Dubouya. Donc voilà. Bref, ce sont ces, ces sorties que nous condamnons, nous critiquons. Cet homme-là, il mène jusqu'à dans les eaux il doit faire la prison. Je vous dis, sa place, il n'a qu'une seule place. Je vous dis, sa seule place, c'est à la maison centrale. Est-ce que vous comprenez Et le cas de BSRG dont il parle, BSRG, c'est ce que le frère Courdi, voilà, ça c'est des... Voilà, le BS et de monnaies comptées. Et IST qui ont... Euh, oui, ils ont trompé le président Lansancon. Le président Je connais le dossier, là. Mais si nous nous mettons à parler de ces dossiers. Moi-même, j'ai un document spécialement pour le BS. Le BSR. C'est trop même... Là, ça raconte, a été trompé. Là où là, ça raconte a commis l'erreur, c'est lorsqu'il a dit à ces vauriens là d'aller se rencontrer là-bas pour enlever ce qui est mauvais dedans et signer ce qui est bon dedans. Voilà comment nos minions ont été vendus gratuitement. Les gens-là ont exploité ça. Ah, ils ont exploité, ils ont exploité, ils ont exploité, gratuitement presque. Vous comprenez Je vais terminer par euh, ce qui s'est passé à Foricaria. Il y a eu... Forekaria, vous êtes parti parce que vous êtes parti provoquer, selon vous, euh, vous êtes parti dans la zone de. C'est notre bastion, quoi. C'est ce docteur Kassoury. Vous avez été ce docteur Kassoury. Vous voulez défier le RPG. Vous voulez défier Kassoury. Euh, je ne m'adresserai pas, pas à la dame d'affaires. Voilà, la dame d'affaires, ses pieds, on dirait, voilà, des loulous on dirait, je ne sais pas, je ne m'adresse pas, ce n'est pas important. Voilà, une dame même qui ne mérite même pas d'être chef de quartier. Les propos que nous avons entendus là, nous ne répondrons pas à ça, ce n'est pas important. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez là, distribuer de l'argent partout, donner de l'argent à tout le monde, je l'ai même toutefois dit, Hey, N'ayez pas peur de distribuer l'argent là aux gens. Distribuez, donnez. J'ai vu des serres défiler. Vous pensez que les serres peuvent venir défiler sans, sans recevoir de l'argent Vous organisez un tournoi au nom de qui Le tournoi doté et Mamadi Doumbouya. Tous ces tournois là. C'est tout ça là que Doumbouya avait condamné. C'est tout ça là qui a été condamné. C'est-à-dire que vous êtes en train de reprendre exactement ce qui a été repoussé à notre gouvernance exactement mais nous on faisait pas ça tournoi alpha condé, tournoi du nom alpha condé. non même au temps de lisa tournoi de lisa tournoi non sekouba tournoi non mais regardez partout toutes les régions mais vous avez trouvé forécaria pour faire un tournoi au nom de au nom de euh, au nom de chose, au nom de euh, mais ce qui me fait mal vous dites que le, la population de forécaria est venue rendre hommage euh, euh, venir rendre hommage euh, euh, rendre hommage dire merci et encore une fois reconnaissance à tous hein, sur tout ce qu'il a fait pour la ville de Foricaria mais moi je vous demande donnez-moi un seul exemple d'action de Mamadi dans la ville de Foricaria la grande mosquée le pont le camp de Kalea là, qui l'a construit Qui a fait le camp de Kalea? C'est qui C'est moi, Tu as fait bon, c'est lui qui a fait le camp de Kalea. Parce que voilà ce que vous dites. Hey, c'est honteux. Petite dame d'affaires, ces pieds, on dirait, en v, VZ, Des pieds avec visage, on ne sait pas comment. C'est le seul temps que tu, Dieu t'a sauvé, tu as eu Si tu n'as pas eu tel là, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pied, ce n'est pas visage, c'est tout. Si je parle de l'euro, là, je me tiens. Hein. Si je parle de l'euro, c'est que j'ai des photos que je ne vais pas mettre sur Facebook. Depuis longtemps, on a reçu ça. Moi-même, j'ai effacé ça. Quelqu'un avait envoyé ça dans mon, dans mon inbox. J'ai effacé. Mais il faut voir tes pieds. Il faut marcher. Aller. Faut porter, il faut porter un kilote et marcher. Des pieds, on dirait, je ne sais pas quoi. Pourrais même photo qu'il fallait il faut photo refaire voilà 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 wa wa c'est donc pour le Carrière, le samedi 19 octobre 2024 monsieur le ministre de la jeunesse et des sports a participé aux côtés de ses homologues de la culture ça c'est la culture c'est c'est le gars qui menace les artistes quoi voilà tous les artistes qui ont refusé de supporter Mamadi Dumbuya, aujourd'hui, on a des problèmes avec Moussa Moïse. Bouiz. Moussa Moïse, mais c'est pas la peine. T'as du mal, je parle pas de toi, parce que tu n'es pas important. Agnon ah Tu n'es pas important. Voilà. On dit, voilà, aux côtés de ses homologues, de la culture des finances, là, c'est Mourana, de la promotion féminine, de l'information et de la communication, au lancement du tournoi doté du trophée, Mamadi Dumbuya. Voilà. On dit, les populations de Mouria, se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil fraternel et chaleureux à la délégation ministérielle. Témoignage de leur reconnaissance vis-à-vis -vis de nombreuses actions, hein, de poussistes en faveur de leur localité. C'est madame Charlotte Daffé, ministre de la promotion féminine et des personnes vulnérables, qui a eu l'honneur de donner le coup d'envoi, voilà, de cette compétition sportive. Plusieurs jeux de maillot, ont été offerts aux différentes équipes. N'importe quoi. Donc c'est le passage là qui m'intéresse quoi. Dites-nous réellement, voilà, sans démagogie, qu'est-ce que Dumbuya a fait pour la préfecture de fourikaria, Dites-nous ça. Dites-nous ça. Comme c'est Foricaria, c'est Moura Nasuma, c'est Dafe, c'est Moussa c'est-à-dire les ministres sous qui descendent là-bas là. Plus le Forikar c'est escroc. Pour dire quoi qu'on en voilà hein. Mais je vous dis simplement, dites-nous, moi je vous ai toujours mis à défi. J'ai toujours dit, ça hein, dit je vous mets à défi. Montrez-moi dans ce pays-là un contrat, un projet signé. Si ce n'est pas les projets de Kassouri. 90% des points de développement ont été signés par Kassori. Kassouri il faut qui est en prison là. C'est lui. Vous l'aimez où C'est lui. Vous ne l'aimez pas où C'est lui. Et vous n'êtes même pas obligé de l'aimer. C'est-à-dire, vous partez dans sa préfecture, qu'on a qu la population de Foricaria, reconnaît. Mais dites-moi ce qu'il a fait pour Foricaria. Il a payé quoi Il a construit quoi La grande mosquée de Foricaria, c'est Kassouri. <laughs> Tout ce qui est fait jusque-là à Foricaria, c'est Kassouri. Ou bien à d'autres personnes. Mourana la même, c'est que le, le petit de Kassouri. Tu es le petit de Kassori, Alpha Retrou, comment vas-tu? Tu es le petit de Kassori? Qu'est-ce que tu n'as pas gagné avec Alpha Kondé? Vous avez fini de vous mouiller, de, de vous salir. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Non, nous, on s'en fout. On attend le 30. Tout ça là, c'est les effets de 31 décembre. C'est pour dire aux gens, non, nous sommes en soussoué. Eh? Eh, Ce n'est pas un problème de Soussou. Là où nous sommes arrivés comme ça, là. moi je dis, je cause avec, je suis dans les plateformes de Soussou. 99% des sous -sous, là, ne veut pas de ce type-là. Il ne veut même pas ressentir. là. Je suis dans des plateformes de sous-sous en WhatsApp comme ça Si vous voyez les comptes rendus, les informations que les Allah fort remonter, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un frère même, al Il en est dans où? Et puis le frère connaît les forêts. flè mezon de, de bavar de la, se ki bavar la, le peti sousou ki bavar kom sa, deye doumbe la, anan he, eran, eran yon an yiki, fya kom, demande le si, kelken a pi met do brik, se zyo la ba, miyo, nire ou en fe fait. yiki, miyo, person nan mezon, si le sousou la, on yi vwa en pe la, se wotan d'Alfa Kondé ba realize, nan si son re, yon son pa rekonesan vek Alfa, mta moun alfa kondé be di, mta moun alfa kondé be, Mais en tout cas, beaucoup ont réalisé, ont évolué autant temps d'Alpha Condé. Et bébé, et et c'est grâce à Kassoula, Kassouri, dit Kassona, bébé promotion fier, bébé moi. Et Donc D'ici demain matin là, que quelqu'un que vient me dire en inbox, non, bébé tu être trompé. Dumbo a dit Bangui n'en dit pour le carrière. Dumbo a engoudrancé pour le carrière. Dumbo a nagnyerici. il y a quelque chose que vous n'allez jamais enlever dans, dans les mains de Kassouri. C'est toutes ces institutions financières-là C'est Kassouri qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Si vous entendez Anaimo, Anafico, eh, eh Mamrio, tout ce que vous entendez, tous, tous, tout ce qu'on appelle ça, les, les financiers, les microfinances, tout est parti de C'est lui qui a eu l'initiative. Il a appris à son grand frère, le président Fakonde, et dit qu'on a baïki pour impacter la population. C'est lui, hein? C'est lui, hein? Bande, bande de quoi là? Venez me dire, je suis demain matin là, dans mon inbox, montrez-moi ce que Doumbouya a fait à Forikaria. Doumbouya a danguie ma mère, a poussé Rateuma, à ma, a s'il Vous êtes... a gulé. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas content de ça.

90, je mets un défi. 90, 80% de, de ceux-là ne veulent même pas sentir. Voilà. voilà. Non, c'est eh, ça. C'est ça. C'est eh, Madina, C'est Gbembe, C'est je ne sais pas quoi là. Oui, vous tenez je marche. Donc, bon, n'importe quoi, vous votre... Merci à tout le monde. Hein Sinon, hey, nous, nous, on n'est pas pressés. Nous sommes des gens qui gagnent les élections. Voilà. Nous, nous sommes pour les élections. C'est-à-dire, nous sommes là. Nous, là. Ce que, que nous connaissons, ce n'est pas soutenir les militaires. C'est aller aux élections. Voilà. Nous, nous sommes dans la vie civile. Nous ne sommes pas des militaires. On s'en fout des militaires. Voilà. Si vous êtes fort là, Dumbia n'a qu'à rester à l'angle là. Il regarde les élections entre trois personnes. Kassori et Et c'est le dialogue qui la ferme. Il reste quelque part là-bas. C'est un criminel. Qui regarde les élections, il va voir tout ce qui va se passer. Tout de suite là on dit que c'est élection demain. C'est le RPG, c'est l'IFDG et qui peut mobiliser. C'est pas les animaux, les animaux de, euh, de la basse cour là, qui peuvent parler, les autres, qui qui peuvent parler là, les faibles, est-ce que vous entendez parler de Kuyaki? Kuyaki, mais Est-ce que Kouyate parle? Ousmane Kaba, où est Ousmane Kaba? Ousmane Kaba, où est Ousmane Kaba? Où est l'ancien Kuyate? Où sont les Komaras? Les gens là ont disparu. Parce que les gens là pensaient que Doumbé allait donner le pouvoir. Ils ont disparu. Aujourd'hui, c'est le gars là, qui, là, qui parle. C'est le seul. Le seul hein. Vous partez partout. C'est lui seul. Le seul qui parle aujourd'hui. Partout, vous voyez. Lui seul. Pour dire un mot, il peut faire 99 secondes pour, pour un seul mot. Un seul mot, il peut faire plus de 99 secondes pour un seul mot. Lui seul. Hein. Bonne nuit, Kéré. Il dit, chérif, là, il faut rentrer dans ce pays-là. Tu penses que le, le dossier de procès 21 est fait Le dossier n'est pas fermé non nombré comme ça, là. Il faut rentrer. Bonne nuit, Kiri. Quand tu vas à la conférence de presse. Non. Non. Oh.